Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Alors, une chère téléspectateur, on va commencer cette émission Bandico directement à Luanda. Et Yindi Bandico, somme des décisions graves na rencontre Wana et président CEAC, SADEC, CAGL et EAC. Ba kondi bazakuna Bandico, boko yoka oyele ki na Luanda, peut ko développer une émission na biso. Deuxième point, chers téléspectateurs, déclaration de Fayulu Bandeko à l'obia que l'élection est causalité parce qu'il faut pas bon s'en afficher, mais si on a commis à une proposition et selon la constitution, 4 mois après le 20 décembre, Bako Sangana na société civile. Pour passer la gouvernement yasika. Donc, Nalangwaza président, Martin Fayulu, ma kamboza minene bandiko. Donc, Bokoyoka, Oya lobby sur dialogue, paix, partage à pouvoir. Troisième point d'abisso, au Conseil de sécurité de l'ONU, débat sur l'agression rwandaise. Alors, tant au débat comme dans le niveau ana, ma kamboza minene ambassadeur n'abisso pena lobby. Alors, ma commande est au Kendi. Ils ont moins clairement tout au Sukaaka. Face à face, faire des sénabatou. Donc, ma camoza minene. Alors, tous à la connecter, peut-être qu'on développe mon émission. Bandeko, émission, monsieur Bandi, comme d'habitude, et comme il tend, autosou la caille. Sokoza la téléphone, WhatsApp, place vos alliés, en ligne, yepsa mouninete erekouki. Bandeko toko kende directement na Luanda. Et pas wapi, le chef de l'État a komaki depuis mardi soir. Et puis mardi dans l'élo. Et pas wapi ma solé bandi. Bandeko ma kamboza ya kosaka na ngote. Alors, kuna na CEAC. Kuna SADEC. CAGL. Et Union africaine. Bandabata e assez bango nyonso na mesa. Bandeko, semaine ou eza vraiment semaine moko kusakana te décisive. Ba décision kwe na Luanda, eza la kusakana ngote ou eza ba décision moa makasi pona mboka. Parce que, bato basi basali inane à l'est, ba mona ke te organisation nyonso baza la présent. Pour pas débattre le dossier. La situation est vraiment préoccupante parce que le M23, l'armée rwandaise, basa aux alentours, et puis l'EAC présent, tout le monde a clair de présence dans Bango. Peuple pas de télémé la Bango. Ma kamboza vraiment belé. Quand on a même dossier, il y a un dossier comment débattre dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour mon dossier en bon cannabiso est appelé international. Donc, oyo kabato yo occident s'est mis kotsa na makambo. Solution en bon cannabiso est ma condiment de ma décision à consacrer parce que tant autant que vous comprenez ce qui se passe à Luanda et pas ou à ma rencontre ma koutanaki, mon condamnement à koutanaki à komaki, pe ba bandi pena ba makamango ko débattre pour être ma solution. Pourquoi CEAC, Oye Afrique centrale? Pourquoi ma bengi organisation en agnonce, Union africaine? Pourquoi? Et comme étant ma décision. M23 va quitter par la force. Ma kamoze belo bogomona oye go katamana Luanda. Il y a des nouvelles, c'est panzani partout que Sade kakouyati. Mais na yebi tengana na yoke honte. Mais toko yoka au. Mais là, toi, c'est ma congolais, t'es tellement pour l'intérêt de la nation. Pour toi avancer mboka oyo bande koto zana bitumba kosakana te le pays
ezali donc oyo kaka un complot international. Yango to bani na polelo po to meka ko tanga débattre ensemble to jo solution yango. Bandeko to meka ko tanga la situation sécuritaire bandeko. Oyo décision ezana Luanda ndeni ba décision ko koya ba décision grave. Le président Félix Tshisekedi est arrivé ce mardi 26 juin 2023 à Luanda pour participer au sommet quatripartite CEAC SADC, CAGL et EAC sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Bandeko makambo za minene parce que et ça va comme ça quand on était mukoza mboka akoma ki déjà. Alors le mardi ndi mokola masulu le 27 juin do yakoma ki lundi le 26 et puis donc akoma ki lelo na tongo parce que makamoza minene bango tout pour le les jours à masulu ndeni ko betama mais il est déjà akoma ki. Alors, Makamboza Yagosakanati. Le président de la République est arrivé ce mardi 27 juin 2023 à Luanda, Angola, pour participer au sommet quatripartite CEAC SADC, CAGL et EAC sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. En outre, le chef de l'État congolais, président en exercice de la SADC, plusieurs de ses collègues africains sont attendus à ce sommet, notamment Ali Bongo Ondimba, président du Gabon et président en exercice de la CEAC, et João Lourenço de l'Angola. Ce sommet intervient après les travaux préparatoires des experts et ministres des pays membres des organisations régionales et sous 23 régionales sur le schéma adopté pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Le lundi 26 juin 2023, lors de la réunion ministérielle du sommet de la quatripartite à Luanda, la République démocratique du Congo a exigé de conserver la coordination des opérations et tactiques des forces régionales qui devront intervenir dans la partie est de la RDC en laissant le volet diplomatique et politique à l'Union africaine. Moyoki bandeko, donc balobi ke ba pawanyo so ba yi pour la coordination et l'opération tactique des forces régionales. SADC a causé. Bon, on a évité. Bon, on a dit que SADC a causé. 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 On a dit que SADC a coordination et causé. Mais batu bazoya na message a kufaiblir ba congolais o SADC a kuzala te nebte so bazuya ngo wapi. Alors aba lobi bui ke CAC SADC CAGL EAC ba kuzala wana pona ba force intervention et puis Union africaine ya kuzwa volet diplomatique et politique à l'Union africaine ba kabolia kote bitumba SADC, EAC, CAGL, na CAC ba sangana. Ba ye bandeli ba koordonne ba force pour na kubengana batu oyu. Makambo ici la paix kota na est. De l'autre côté, Union africaine ya obeta masolo politique. Vous comprenez bandeko? Yango to keba na ba message boyo kaka botanga bino moko. Alors, avançons. Si ko ba chef de l'État et belé ba se ba komaki ba za diakuna. Le lundi 26 juin 2023 ba sode ba presque belé ba ministre déjà ba za ikuna ba o discuté. Alors, cette position de la RDC a été donnée par le vice premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, celui de la Défense Jean-Pierre Bemba et le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Mboussa Nyamusi. RDC déjà de Bozomona Jean-Pierre Bemba le Tundula bango déjà bazaye kuna Nyamusi. Le communiqué final précisera si cette position de la RDC a été prise en compte.
Bango bayaki déjà ko bongisa pour lelo ba chef d'état ba kata masulu. Ba décision grave e ko koya lelo. Les chefs d'état présents au sommet auront aussi un moment de discussion avant l'adoption du communiqué final qui devra présenter le chronogramme des étapes à suivre pour le retour de la paix à RDC. Ce sommet, sous l'égide de l'Union africaine avec l'accompagnement des Nations Unies, pour but de concorder et harmoniser toutes les réponses régionales pour des résultats concrets sur le terrain. Makamboza minene bandiko. Donc ceux qui tous otala étaient ba ministre ba yaki déjà ba bemba ba yaki avant. Parce ba sololi et maintenant lelo ezaba ba président de la République ba joba décision ba signé. Yango tina CEAC et Afrique centrale pe ba koti. Ba Gabon bango tout ba koti maso. Situation de so vivre pour le moment. Eza situation moko très complexe. Yango moni bango tout wana ba koti na CEAO parce que na organisation Afrique de l'Ouest bango pe ba koti. Situation ya biso toza pays stratégique en Afrique centrale. Tant que biso to koza na instabilité ba pays wana pe ba problème ba na kakoza. Yango tina ba parti ba association musu wana pe ba koti masu. Alors Tolanda extrait Oyo. Bon, on doit avancer l'émission Nabiso. Par ailleurs, sachez que c'est aujourd'hui que se tient à Luanda, en Angola, le sommet de la quadripartite EAC, CEAC, CIRGEL et SADC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. 8 chefs d'État africains sont attendus à cette rencontre, dont celui de la RDC, du Gabon, de l'Afrique du Sud, du Kenya et du Burundi. Hier, pendant plus de 4 heures, les ministres des pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales étaient en discussion afin d'harmoniser et adopter le texte du communiqué final qui va sanctionner ce sommet. Selon des sources proche de la présidence congolaise, si la réunion des ministres a pris plus de temps que prévu, c'est à la suite des divergences relatives au plan directeur qui devra être mis en place pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Signalons que la délégation congolaise à Luanda est composée du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, et du ministre à l'intégration régionale, Mboussa Nyamwisi. Le haut représentant du chef de l'État prend aussi part à ce huis clos. Bande ko to landi biso nyonso to yoki extra wana. Bomo na koma la situation eza na terre. Me na yoka ki ben fo bate bele ba lobi yoki sadeka kuyate. Na yipte so ba zyu yango wapi. Awa, bo landi to tangi, ba lobi sadek, e asi, bango tu ba ovando tu de la taba ye manele ba okodone bo operasyon militaire. Si le terre. Naibite boba yele ba kongolewa mesaje ki sadeka kuyate naibite soba zwa kango wapi bande kubotika ba information alukuta avanso alors bango tuana ba kozalo tour de la table pona ko coordonner ba operation pona communiquer final Union africaine ya kozisir basi la politique ndeni politique mama kambo kokeni alors ba force union so régionale va décider de payer contre la SAEDIS. Donc, tout le monde qui m'a cambré, ça n'a pas été. Tant que SADC a été kati, CRGL a kati, bango tout le monde est en train de Afrique centrale. Na Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que les pays qui sont africains ont été en train de faire est. Présent Rwanda, Mayele, Sili. Et comme ils sont ponaï, parce que ma présence yon soba sangani, bazo beta di solo ki yi a koti na RDC. Présent Rwanda a komi na souka, fachi penako, a souki se parce que, komona ba organisation yon so na mesa, pona dossier na biso. Ah, bandiko. Et ça ma kamoko sakanati. Ba pays Afrique centrale ba ye ponani. Ba moni ki ba pays a ESC, ba zayne ba foko. Sadeka yu ponani. Po batuana ba yaki na foko. To preza Rwanda mbala uya oku manasu. Tabandeko. Be informasyon boyo ka be informasyon alo kutati.
Sadek Azali Kola Mesa Bazo Bongisa Ndeni bako coordonner opération contre M23. Armée rwandaise autour va picler picler za po akendi. Après wana bisu to kojo forme na bisu. Alors, tant au long makambo esa situation moko clair. Été makamba S esa kusila. Yango tina bo'organisation nyonso baza prison. Biso pourquoi peuple azo tomboka ko bengana ba EAC et tout ça. C'est pas ces bana ba ya to mona na terrain et loko zati. Mais ce qui le to moni changement na terrain. Parce que yambala o ezande musu. Ne ba on décidé le lo. Eza po ba force wala nyonso ba sangana. Po na pe e kota na est. Alors, bandeko, tozo beta city. Bon, nous avons une vraie information. Parce que, moment où c'est un moment, mon commande, moment où l'élection, tu vas au club, au Yohana, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas piéger. Quand tu as un bon cas, président Rwanda a commis la confusion totale à Zoé Bati. Dans Angola, le Bayati, mais ce qu'il y a, a commis un problème dans le pays africain, le Colamessa. Il y a une place à comprendre le président Félix. Au Makamba Bisso, il y a une côte de président. Au moment de ça, il y a un le Colamessa va se faire agresser. Il y a un problème sérieux. Et puis, il y a un pied de ressources naturelles à EDC. Il y a un problème de ressources. Alors, la situation de ça pour le moment, une décision grave. Et ce qu'il y a. Mais tu coupes sa vie. De Luanda, déjà, monte Pelé, ça chauffe déjà. Alors, Bande Konanga, c'est à ce point, tu dis que le premier point, tu commences à deuxième point. Awa, et ça m'a comme élection 2023. Beaucoup yon comme déclaration, il y a Martin Fayulu. Il y a l'objecté que ceux qui m'ont kani ma kamouya. Audit externe était, élection est causalité, alors constitution après le 20 décembre. Et ils ont permis de faire ça. Dans 4 mois, il a fallu la société civile pour faire le gouvernement moko ya intérimaire. Donc, le gouvernement moko a transition pour diriger Mboka. Pour avoir un mandat à faire Sicile. Mais il n'y a pas de Tangazolo banga kuna kamwe pa journaliste français. Alors, makamwaza minene. Alors, tangazolo déclaré ma déclaration anna. Ya gouvernement transition, bak do pouvoir, bakabola pouvoir. Ah, nzambe nangaye. Martin Fayulu, tia libaya. Metozo ya na pwena yi. Toba anana déclaration ya seni. Seni a convoqué Oyokaka nina ba député et puis a yebisi bango te la machine à marche bande ko ba français mutu ba tuno ba question ana. La machine à marche alors e comité congolais nyonso aya na ba candidature ya ba député dans les lots ndeto loba lelo. Alors, l'interview n'est pas Martin Fayulu Lelo. Beaucoup yokai. Alors, si vous avez une déclaration, wana, Kadima a bengisi bango nyon sobaya na bakandature. Pe na mikole koya kukuta na bango nyon so opposition. Bakandature nyon so eza la présente d'ici le 15. Beaucoup mona ke ex-président Kabila na Fayulu baza ensemble. Baksyon ya Martin Fayulu na ex-président Kabila bo yoka député ya FCC metozo ya nayi. Alors, Kadima dit ceci que makamunyo seza prêt ba congolais bazo kende na élection dans le comité bangonyo so baya na ba candidature. Makamunyo se komi na nzela et puis ba tuni question. Ya le na EDC bas ezana okaka boyi.
Mais l'élection, badnyo se va comme à agiter sur un moment oyo. Dans un an, on a un problème, kaka. Mais l'élection, c'est un an, on a des autres. Quand il m'a dit, on a toujours, batu va contester à kaka. Va contester à kaka. Alors, toyo kaka, dis-moi. Après, toyo ka, pe, bande comme ce sou, il y a FCC, il y a Kabila, déclaration na bango pour la journal lelo o ba bengi ba député bongo après toi ce qui ça na Marte Fayou avance déclaration Fayou pas d'élection 4 mois un nouveau gouvernement mais to banana yemo kadima makam nyonso na parlement lelo za session plénière asuka bango nyonso ba ki na bato ba za na plénière Bayebiete musala ba député nyonso esosila. Bango nyonso bazwa ba candidature na bango bakene kuba pona bango. Ba député nde bajona machi bandi. Me ba député bo pesa to ba mbongo te. Bo kene ba voter bino en ordre. Mena toyo ka kadima bongo to avance. Cristallisation des tensions entre la CENI et l'opposition, l'enrôlement des électeurs et surtout l'audit du fichier électoral, l'Organisation internationale de la francophonie a finalement renoncé à effectuer les opérations. La CENI a donc organisé un audit avec des experts indépendants recrutés pour l'occasion de Nicadima. Nous comprenons les critiques parce que les gens sont habitués à des processus qui prennent longtemps. Mais ils ne doivent pas oublier que entre la dernière élection et maintenant, il se sera écoulé 5 ans. Et nous-mêmes, nous sommes une équipe beaucoup plus hétéroclite dans ce sens que nous avons amené avec nous des experts qui ont travaillé dans beaucoup d'autres pays. Ça nous apporte beaucoup de solutions. Donc, comme dès le début, nous avions dit que nous n'avions pas le temps et nous ne voulions pas de glissement, nous avons à chaque étape où il y avait une difficulté, nous avons essayé d'innover pour aller beaucoup plus vite. Bandeko Tolandi Kadima a expliqué très bien tango koki tozo kene directement au kakanzela polele ouverte ti le 20 décembre élection législative et présidentielle bandeko bako pona ba député nationaux ba député provincial do makambo zaminene. Alors, l'élection au Salama, le 20 décembre. Et maintenant, le loba ben ba candidature na bango. Côté opposition, ba zé un peu divisé. Na division, on est au moins na clair, mais te ba sa pe na problème. Ya on to loba ke bo sa la faire attention na ben formation bo zo yoka. Yeb sa ba ninga awa, oko yoka vraie information pe, o zui, o za ki na posa na. Alors, Sikoyo ndenge tolandi wana kadima bengisi bango nyonso bayana bakandature mute batu na batu alors Marte Fayulu abui mais kote ya Katumbi na Matata Mponyo bango nyonso basesanga bandimi batu bakopose bakandature alors so tala deja wana probleme za bazaji ya kopanza kalate boyo kapena. Alors, et puis maintenant, tokendi, toyoka, parce que FCC PPRD, baboui, toyoka, Elia PPRD, bayel, bah, écoute, on a parlé du peuple, bah, tuni, bino position d'in, babite, biso, naseni, oyo, toko participe à l'élection. Wana ba décision ex-président Kabila, soka, batouana, soka, vive. Voilà boulot na bango tout ébété soke pelé bako déserté na bango bako kima pour apposer candidature a kimi ne peut perdre ke côté mususu alors situation bao vivre peut perdre ba comme na problème ngala ndimité te ba député wana nyonso bako boya ko voter mais to la na député oyo ya FC ya peut perdre de galoubi FCC. Alors, bandeko to komina tour ya expressa Kabila. Ye alba député ne bayo lo baite ba participer que na cour constitutionnelle oyo na seni oyo bazomona nyonso eza ya fachi
et tout ça bazo mona clair dit tolanda bongo to avance. Et voilà, on arrive au palais du peuple. Il y a déjà beaucoup de voitures, signe qu'il y a beaucoup de monde en cette séance plénière. En même temps, c'est la dernière, c'est la clôture de la session parlementaire de printemps, la dernière avant le début des candidatures des députés. Après, ils seront plutôt en campagne. Tous les députés arrivent pour cette session plénière. Bonjour, monsieur. C'est honorable Moubakito Adamaz. Je suis élu dans l'ex-Katanga et sur la liste de Pepe. Et là, vous vous apprêtez à repartir en... En vacances, oui. En vacances, en campagne. Campagne avec ce processus ici. Mais vous n'allez même pas mettre votre candidature? Non, je ne peux pas. Avec une CENI qui est complètement biaisée, là où nous ne sommes pas représentés. Et c'est la CENI qui organise les élections. Nous avons la Cour constitutionnelle, qui est le juge électoral, monocolore. Et vous allez espérer quoi si vous allez dans de telles élections? Rien. Nous voulons, nous, au PPRD, des élections crédibles. Cette réclamation ici, on ne l'a pas commencée, mais non. C'est depuis 2021 jusqu'aujourd'hui, ils font sourde oreille et ils foncent. Et nous les regardons foncer. Le PPRD, c'est le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Et pour ses membres, il n'est pas question d'aller aux élections. Bandeko Tolandi Bisognoso, député à PPRD FCC, si je comprends bien. Alors, bango bango participer. Bango ba moni ke cour constitutionnelle oyo na seni oyo eza clair te bako kende te même déclaration bo yo kamate failu asani makambo tu eleki wapi lelo wapi na palais du peuple ne bolandwa alors ba ki plaintre ke séance asuka séance plénière asuka il fallait bango tuba lo passe bouleuse aussi là ba poser ba candidature na gouvernement ba député oyo. La plupart ba tia ki bango na koné nanga et belé ba kuma pe na problème pour pas voter bango mais oyo bazane union sacré bazame na couvert na union sacré ba ko voter bango mais l'autre tonto le bezaboui été mena ba sengi ba kanda chichi le 15 boko yo ka le même batu oh voilà bat mais le ba sengi bozo pesa ti mena bazo tombo kapo na siniti bolanditi me babeng saki bango seni ame donc soto tala bato yo non FCC wabi seni oti aloke na seni wana bata FCC bazana kati alo ba masonjo to kwa koyo sa peuple verite te yangonde zo bomamboka na biso FCC à l'objet qui a participé, t'es pas au mona fraude de Kozala na élection où y a député provincial et tout ça na présidentiel bas au mona car que ma camionso c'est nous un exemple donc bas au mona baluba ben on monocolore netto landiwa et puis cour constitutionnel un peu bas au mona quand même na so comprendre t'es bandeko bateau va manipuler le peuple. Décision va se jouer. On va Martin Fayulu va se jouer. Donc, baza bomoko Kabila et Martin Fayulu va se diriger na makamu na bango. Sauf que vous comprenez pas, c'est les mêmes réactions. Oui, bien mais pas FCC les mêmes réactions et pas à Martin Fayulu. Mais tant que vous pouvez Katumbi, baza la réaction monsieur te bango participer à l'élection. Mais bango va lui bango participer. Mais si quoi, ceux qui ne me connaissent pas, au moins bango va participer. Donc, c'est-à-dire, Fayulu a au parti, a su candidater, a au sangani souti, pas bima, na assemblée, ma député et tout ça. Ma guerre, je visais qu'à poste et à président de la République. Alors, Bandeko, voilà, ma député, il y a FCC, ma lobby ouvertement était ma collecte, c'est Niwana. Et ça bien dit, et ça monocolore, et tout ça. Alors, en tout ça, c'est tout à l'heure. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de candidature. Toi, avance. Il n'y a pas de salaire.
Alors, FCC peut perdre de trop comprendre. Bon, les soirs, moi, sur ma tille, les baya, par contre, soit battu, mais bien, si beaucoup, soit battu. Alors, bon, tiens, les baya, matière avancée. Alors, maintenant, toi qui n'es pas Marte Fayulu. Marte Fayulu a lobby clairement. Et il y a 5 audits externes affichés. Ce que tu le 20 décembre, et ça l'a mis, alors, Bango, Bako boycotter l'élection Oyo, et puis, Bako sang sa société civile, 4 mois selon la Constitution, pour basa la gouvernement Yassika. Bon, il y a une proposition, il y a Marte Fayulu. Un nouveau gouvernement. Alubi le rafati déjà si a commis la retraite d'apprendre à Zoloba. Et puis, comme étant, Bangoba Sama Solo, donc comprendre. Plein fois, les aïe, il est présent dans le Ngana. Ne comme à Kamboza Minen. Donc, il est dans le Ngana présent de la République. Alors, mais l'autre Zoloba, c'est que la situation actuelle n'a pas attention au yo. De faire attention à mes messages. Parce que comme il t'a ouyo kakaya ou sakanati. Alors, Marte Fayulu a lobby que tu as la gouvernement transition. Tu as la société civile. Fati le roi nazal sujouté. C'est lui. Tant au mona. Ma kamabozo mona directement, il y a quelque chose qui ne va pas. Batu bazo beta na ba metu. Batu bazo gobu. Non. Dans ton comité, mon lettre au coma et ma chise à Kosakanati. Bon, les bako proclamé et ma vérité des yeux n'est malicieuse. Non, m'bala ouyou mon konzamboka du détermination. Quelle que soit la situation, batika, makambo, batoubou et non. Parce que, et zoye banabanani ouyou va voter ma papier zali. La situation actuelle, Bandiko, match est comme appelé Mboutou Mboutou. Parce que, et Bélé, Bazala qui n'a hésitation, mais les gens qui ont dit, élection est encore, Zali. Mais Bazala qui peut Bazali, le Colombo, on a 4 compétences, il y a un monde bien, tout ça qui est. Effectivement, ils ont fait des erreurs. Il y a quoi saboter même ma cambo alors que déjà ma soleil bandaki n'est qu'à dire malobaki. Alors, si quoi yo, ce que je t'ai la dossier au monaki, ma cambo zamine. Alors, maintenant, Marte Fayulu a expliqué, n'est nini, ma kobong sana société civile pour la kotam samboka ou. Toyo ka Marte Fayulu, bon auto avance. Des critiques que partage Martin Fayulu, l'opposant qui revendique toujours la victoire en 2018, estime lui aussi que le processus n'est pas fiable et a pris récemment la décision de ne plus l'accompagner. Nous avons décidé de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux. Tant que le fichier électoral, tant que ça ne sera pas refait, donc ces listes-là, dans la transparence et audité par un cabinet extérieur compétent en la matière. Et se laisser de ne pas accompagner une forfaiture. Les Congolais ne peuvent pas laisser M. Kadima aller organiser une parodie d'élection. Que le Congo, avec ses partenaires internationaux, se mettent ensemble et disent comment trouver des solutions de bout en bout. Qui va faire l'opération d'enrôlement? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? On appelle ça solution de bout en bout. Et puis, nous allons aux élections. Nous pouvons encore avoir les élections en décembre de cette année. Et si jamais on n'arrivait pas, la Constitution nous donne 4 mois de plus. Mais M. Félix Tshisekedi doit être dehors parce qu'il aura terminé son mandat le 23 janvier 2024. On fait un gouvernement avec la société civile, avec des gens qui ne seront pas des candidats à tous les niveaux. Ça chauffe. Oh, caca. Alors, il y a une société civile. Ba fandi na mesa ba dirige mboka oyo. Eh. Oye sana ndoto ou bien ba zape na ko boule yango. Fayulu alobi le 20 décembre de tout va se faire mandé sili.
et comité martin foi la sangana société civile ba diriger EDIS. Ah ma kamboza minena l'air mole ba yakana ba raisonnement ne bite so ba bula kanini ou vandi pe na palais na yo ou du pe ba décision no bi bon le 20 décembre le cola toyokanite na audi externe ya fichier électoral élection ko zalaté article 64 ba congolais na nzila ba congolais ba nan ba okota na nzila ma te folo za komi kosa yemo parce que a yebieti tango ba parti musuwa ba okota na nzila bino bo mwana ti bande kobota no ba ideo bazana ngo ya mabe ya mobunu na mboka bitumba ba wele la tusa non mutu na mutu akene ko réfléchir ndine opposer candidature na yi nous sommes un grand pays il y a plusieurs députés poser candidature na yi alors en tout ça soto otala tozo mona koma makambo ebele za diruté makambo ebele eza ya ko bibe makambo tozo otala ka biloko bandeko ezo pesa kanda mole mso vandi tito chebolu bi abatu yo le regrave mais l'autre tout le bezaki mate foi la salbe erreur grave ya ko sangana na expressa kabida na batwa na nyoso parce que makamu ya lobby bolandite que la même chose na député na FCC alors mena au di externe bomba zo singa na so ibati alors na zo mona makambu esa ja basi babandela makamu subona ndimiti parce que soi bas failo za poser election angalo makambu ti bazana posa lisuti bay failo zo ma ke defe de ça toke kana je oyo ete mubule kota tovana mesa et puis il dit que a cause la yena ba société civile pour ba diriger EDC temporaire. Quel message aux opesa ba congolais si ça ya solo et se ba congolais en juba mona yo pe ke présent directement à neo yo kaka donc décembre 2023 yo ma président de la république je ne suis pas sûr pourquoi je dis ça parce que déjà berer zebere oui le kina mikolo voilà makamba munenge kusala bande ko tala mboka uyu toza toujours brûler la élection mutu mota banga o desordre ba kotia kozala les desordre zala akaka pa ni congolais motema eza problème toza dia mitema moko non c'est eza mo alors mena bisonyoso tolandi toyoki bisomoto commenter yango parce que mokoza mboka za na plan munene pona mboka oyo ete makama bien salama mboka e avance alors batinyoso far de se bendele ko ete mokoza mboka botelema bo dirije mboka oyo mate failu eza na uka kaba makelele tozo mona te eza sans fondement ba makamu nyoso alors bande konanga c'est à ce point comme tika deuxième point to moke na troisième point bande ko e yindi na conseil de sécurité de l'ONU débat sur la EDC nde makambu ezo leka na est na ndenge nini ba makambu ezo leka na ba réunion tu ezo sala Conseil de sécurité de l'ONU de Bandeko Basanganaki. La question na bango ezaki préoccupante pour la EDC. Balobi le sou na président rwandais a retiré Batunaye de la EDC. Balobi sou na FARDC de bino bozo sangana na ba FDLR. Parce que wane zali makamu Rwanda zolo. Bexpere ONU bakomaki pe biloko anakati. Alors que FDLR na biso te biso za na ba. Wasalendo bala na biso. Alors bazo tik balo atoti ko kolobore na ba groupe armé. Tala. Message wana za ba américain mutu ba pesi. Mais l'autre onto yeb sa bango zaki, pays o za pays indépendant. Bango ti le lo batika président rwandais a continuer makambo pourquoi ba peki saidi. Soki le lo ba moni biso tozana ba groupe armé ensemble. Et ça pourra qu'on défendre Mboka. Congolais n'y ont pas à défendre Mboka.
Bande koba koto na nyonso armée 23 azolinga tout azwa mezo simba te pona nini ba groupe armé ba telemi na ndenga force ko sakana ti alors ba moni pena ke non a moiti ba se retire alors que ba se ba se bango ceci le fait ba bonga mapona cantonment metile ba décision quoi na Luanda eza po batinda bango na force na cantonment ba batoa nyonso a M23 pour finir po na libérer na bango ba sali ina ne ba yibi yibi ne ba lingi e ba yeba eti tuko récupérer mboka na biso ba frontière nyonso kozala blindé yante se ba congolais to keba na ba message tozo yoka. Oh, ça décasate, oh, bon, bon, non, tout qui va. Bah, toi, j'en fais information à bien te à l'okuta. Et pas ma congolais. Alors que force à ma casse, bah, on s'en a la loin d'aller l'eau. Pour qu'on décide si SADC à la Pacifique. Bah, président africain, tout ma koumaki. Bon, là, n'est-ce que la première fois. Trop songe là, on le suit. Mais ton tout l'eau, situation est à niveau conseil de sécurité, bat baza divisé. Mais, nous sommes bien que la communauté internationale baza na katia masou. Et ça complot moko ma kasi internationale. Pourquoi? Si on va condamner Rwanda, il faut pas condamner Bissot pour la FDLR. Alors que Rwanda moutaza un problème à Bissouti. FDLR te tient au coopérer na bangotes et ça force mon ceci là, n'est toujours. Il est présent au Rwanda, il est en train de se faire. 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 Puis il est en train de se faire. Le problème est que les associés font des scènes à Batoua. Batoua n'a jamais été en train de se faire dans les armées. Parce que ce sont des Rwandais. Oyo. Lista mulemule ba Rwanda to ba bimbi ba tiki tiki fardé c'est au luka zumu susu la majorité ba kimi bango mona Kivu ba keko région de M23 voilà comment les pays ezali trahi na ba niveau ebele alors mais l'autre ntolo ba ezaki M23 oyo cantonnement na ye ezo sala makalati. C'est pour cela ma kambo tous au salam. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU débé hier avec ma casse à consacrer. Mais tu félicites l'ambassadeur de la Nation Unie. Ambassadeur de la Nation Unie a lobby que Rwanda a causé ma prétexte né à FDLR. FDLR déjà, on est loco exacti. Président Rwanda tellement azané la démocratie, tazo banga mabeba yo longole la pouvoir. Mais azo kota biso na kate makambo ya FDLR eza mawa. Eza groupe ba Rwanda. Mais jamais FARDC a coopéré na bango. Ya onto isa ba Congolais était tant tozali o kaka tango sakana onte parce que eza na moment moko ba ozo ba décision ya makasi pona mbo. Peuple ne faut zonga na banda kuné le plus tôt possible avant même fin y a l'élection tout ça. Batonde ba vandi plusieurs années baza ko yiba na bango. Pour président rwandais ba ide ne to akina ngwe ko simba le soute. To koma armée makasi ba kob nyoso ya zaki na ngwe foire. To no bango très bien pourquoi to lobe foire? Parce que déjà ozomo na dia ba mouvement na ba makambo to bazolo ba to bazaka ensemble bazaka bongo te sa di bazaka ko panzana mena les États-Unis tang ba tindi ba loba yango bande ko oyo kapenda to tanga bongo to avance USA au conseil de sécurité de l'ONU sur l'agression rwandaise boyo kadiba. Les problématiques de soutien aux forces négatives dans l'est de la RDC étaient au cœur d'une réunion des conseils de sécurité lundi à New York, le lundi 19.
L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Robert Atwood, a appelé une nouvelle fois les forces armées de la République démocratique du Congo à cesser de collaborer avec le FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda. Le représentant s'est alarmé à propos de la coopération entre les FARDC et certains groupes armés, les FDLR, qui est sous le coup des sanctions. Alors, Bango, Bayako Pesa va couper ma sanction. Pourquoi? Akamozo changé. En même temps, le diplomate américain a réitéré l'appel à l'endroit de Kigali à cesser également de soutenir les rebelles du M23 qui occupent de vastes territoires dans la province du Nord-Kivu. Dans le même temps, il a appelé le gouvernement du Rwanda à se retirer ses troupes et à cesser d'appuyer le M23, séance tenante. À ses yeux, il s'agit d'une régionale, crise régionale qui requiert une solution globale. Makamuzamine. Requiert une solution globale. Bande koto tangi biso nyonso to yuki. Débat ko sakanate na Conseil de sécurité de l'ONU. Oba lubaka ezaya ko yinda esi e yindi. Monte peli, mento félicite ambassadeur. Alobi le Rwanda salaka prétexte kaka FDLR. Boksidanto, balobi na Rwanda adjo ba sodane ba bimara EDC. Kope se koufi. Nde bazama yel na bango se sili ba couple na ble ba coltan bozo iba kalati. Eza ma bele ko sila te bino nde bo kozonga le sosote. Nde bo ke no a sens unique nde bo iba o bo ke na ngo bo kozonga le sou e de sete. De ke ba kam tu za déclenché ma kambo bandi. Alors bande ko so ki to tala. Ma kambo o zo mona clairement eti. Mboka na biso Batu baza kwa mviyango na ndenga mukiti. Mboki tunda bumengu. Me ba kongole fuba palpe yango. Ba kongole fuba vivre yango. Me koma makambu anesila. Yangu tuye sabandeko batu nyosu waza kontre. Gera lese sila. Te botala bango balinga abisote. Soko aliyosa vre kongole. Ukulinga gera ese sila. Kombye de moro. Oise salama. Plize zane. Plize victime. Maintenant, Bissonioso Tolandi, Toyoki Totandi. Ndenge Tolandi wana, ete bazo sala nyonso. Pase fuba bong sa penda organisation, biro kitoko, ndenge nini, bakwa keir batu. Alors, maintenant, na situation oto komi nango siko bandeko. Osomona clair mete ezay ki complot international ba konji ba travay pene na professionnalisme to jeta problème na batuti meta la président Rwanda kwena libulu nde basana CP zo zela e kaka nde zo longwaka na pouvoir passe deux ans différent na bango baza pe jalou moi démocratie ngo bano côté pa na biso bango pe ba séparati. Pas c'est facile pour qu'on vende sa masolo. Alors, le problème qui est là, c'est que Oyo Kaka, Benemi, voisin, Bagonyo, soit fou, m'a mis sa richesse. Alors, à étendre, menaï, et sa solo bananane, à sa ko s'adresse nanane, mais en investigation. Parce que souka souka, bayaka kouyeba. Alors, maintenant, ma kamu nyonso to landi biso nyonso to tangi et comme clair ma eti esa EDC oyo esa la pacifie trop c'est trop Rwanda yibi mingi ba konzi ba determine te soka ka Rwanda makambo esili mira kosakana ti do ba kam militaire je m'excuse. Donc, force VKDS, bande kumboka ya munene toza armée mingita. Et zo senga ba baksakaka armée. Voilà les dossiers où toza nango. Bande ko, to bande ko koma na fin mission. To landi biso nyonso, me conseil tozo pesa l'era be l'élection to keba na information à l'okuta.
Alors, c'est à ce point que je clôture l'émission. Bon, continuez à s'abonner massivement. Bon, partagez. Au revoir. À la prochaine.